Je suis là. Coucou. Bon, bah, ça faisait un petit moment. Je n'ai pas fait un haul Shein. J'attendais, en fait, pour être honnête, le premier paquet. En fait, il y a 8 vêtements. On va faire les choses bien. Je vais vous donner les prix. Je pense que je vous mettrai les visuels à chaque fois, un petit peu comme un try-on. Et je vous donnerai le petit code promo pour bénéficier de 15%. 15%, ça vaut le coup. Caroline, avec un majuscule, le reste en minuscule, Q3. Les 4 premiers vêtements sont arrivés au bout de 3 ou 4 jours, donc hyper rapide. Et bah, il m'en manquait 4, j'ai attendu, ça a mis 8 jours, donc ça reste quand même très correct. Alors j'ai mis ce petit peignoir parce que c'est vraiment plus pratique entre deux essayages. En plus, c'est un peignoir que j'avais eu toujours à Shein, donc c'est très très bien. J'ai l'impression que ma caméra elle tourne un peu, non? Je commence avec... Avec quoi? Avec un body. Bon, déjà je vous montre un petit peu. Il y a de tout, hein, et je suis... Franchement, pour certains, je suis sortie de ma zone de confort, et notamment avec les pantalons. Parce que moi, les pantalons, j'en prends très rarement. La plupart du temps, ça ne me va pas au niveau de la coupe. Il y a toujours un problème. Soit mes fesses rentrent pas, soit au niveau de la taille. Parce qu'en fait, j'ai la taille fine, mais j'ai des hanches. Et donc, soit je nage au niveau, au niveau de la taille, je nage. Ou soit, bah, au niveau des hanches, des fesses, ça passe pas. J'ai un petit peu forci depuis, depuis que j'ai arrêté le sport, c'est-à-dire il y a 2-3 mois. Forcément, il n'y a pas de mystère parce que j'ai arrêté le sport, mais j'ai continué de manger des conneries. Donc forcément, à un moment donné... J'ai tout pris en 36, mais je pense que là, je fais plutôt du 38. C'est un petit peu plus. Alors, je commence avec ce petit body. On a toujours hein, c'est des pochettes comme ça. Je trouve que c'est plutôt très pratique. Il s'agit d'un body nude qui m'a vraiment plu quand j'ai vu sur le mannequin. Je vous donne tout de suite le prix. Je me mis de ma petite fiche. Le body, il est à 9,49€. Le body est comme ceci. J'avoue que là, il paye pas trop de mine. J'aime beaucoup les cols quand c'est pas, ça monte pas super haut parce que j'aime pas, mais c'est là, juste ici. L'écriture, qu'est-ce qu'il est écrit déjà? Baby girl, ok, petite fermeture. Les manches s'arrêtent juste ici. Au niveau de l'entrejambe, c'est des pressions, un petit bouton pression. Voilà, bon, c'est pas ce qui rehausse le plus le teint. Mais j'aime bien. Là, c'est un peu rigide. C'est-à-dire que ça a tendance à me gêner. Vous voyez? Puis moi, je suis vite gênée hein, dès l'instant où ça me sert au niveau du cou. Sinon, c'est très joli. Il est même un petit peu large au niveau de l'entrejambe. On est limite au niveau de la transparence. Mais je pense que ça passe. Par contre, très très confortable. Alors, si je fais ça, et ben, c'est mignon aussi, hein. Et derrière, bah, il n'y a rien de fou. Voilà pour le premier body. J'avais oublié le mannequin. On passe à quelque chose qui va peut-être me fâcher. À un pantalon. Alors franchement, celui-ci, bah, je vous le montre direct. Regardez sur le site, comment il fait chic. Il a l'air très très bien taillé. Le prix, le pantalon est à 21€. La matière est pas mal. Hein. Ça m'a l'air quand même hyper serré par contre. Ouf, devant. Comme ça, fermeture classique, des petites poches, d'autres poches, je sais pas comment. Bon, ça je verrai au niveau de la coupe, est-ce qu'il monte vraiment, je me rendrai compte vraiment une fois porté. Bah, je vais garder, tiens, je vais l'essayer avec ça. C'est le moment. Oh. Ah, j'ai pas l'habitude de mettre ça. Il m'a l'air d'être montant. Ah bah ça passe, mes fesses passent, c'est cool. C'est sûr c'est un 36. Ouais, non, c'est un S. Bon. Bon. Là, il est même limite au niveau de la taille. Grand. Ah, je crois que c'est pas pour moi. C'est pas très, très... C'est pas très, très joli tout ça. Je sais pas. Il glisse. Je sens que je vais être toutes les deux secondes en train de faire ça. C'est la matière qui veut ça. Bon, je vais réfléchir encore. Peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais je suis pas hyper à l'aise. Alors c'est paradoxal parce qu'il est très confortable, mais c'est le côté qui... J'ai l'impression que ça tombe tout le temps, peut-être c'est dans ma tête. On va passer à autre chose, toujours dans le même, esprit. Là c'est un ensemble, le haut, le pantalon. Alors pareil, ça, gros doute, mais enfin regardez. Alors, c'est-à-dire que nous allons avoir déjà un motif comme ceci, et c'est un... pantalon, ça s'appelle cigarette je crois. Donc le haut je pense que ça va aller. Il est pareil, montant comme le body. J'aime beaucoup. Resserré à la taille. Et nous avons aussi la possibilité
de faire un petit tour de taille avec la ceinture. Oh. Et le pantalon. Ouais, alors par contre, le pantalon, ça fait un petit peu... je sais pas, le côté stretch. Je le sens pas trop non plus. Bon. Ouais, il est très 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 stretch. Là, pour le coup, je suis pas certaine qu'il les pousse bien au niveau de tes fesses. Hein. Je vous donne le prix. Alors, l'ensemble est à 18,99€. Alors, on ne se moque pas. Le haut, il est très sympa. Hein. Le haut, j'aime beaucoup. Oh, ma barrette, en fait. Pourquoi j'avais laissé ma barrette? Voilà, attends. Oh, ça, c'est très sympa. Donc, je pourrais le mettre aussi bien avec une petite... vu que là, c'est comme ça, ça part en trapèze. Petite jupe, soit droite, ou avec, jean, quoi, tout simplement. Oh là 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 là. Alors, lui, il me plaît. Hein. Il me plaît beaucoup. Attendez, parce que je n'aime pas avoir mes cheveux plats. C'est pour ça que je fais des... Vu que là, je viens de les laver, je veux leur faire un petit mouvement, vous voyez. C'est également un petit haut de coiffure. Voilà, donc, le haut est super. Le bas, j'hésite entre pyjama ou tenue festival cirque, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il termine. Vous voyez ou pas? Ça. Alors, c'est pas vilain. C'est particulier, quoi. Hop, hop. Donc là, je mets avec des escarpins. Pourquoi pas, mais je sais pas si j'assumerai quoi. Et au niveau des fesses, étonnamment, c'est plus confortable que le pantalon juste avant. Presque. Et bah ça, c'est le genre de tenue que je pourrais mettre confort à la maison. Ah, il est pas mal quand même. Je sais plus si je vous ai donné le prix. Si, je crois que si. Si, si, je vous ai donné le prix. La matière, très, très confortable. D'ailleurs, regardez, il ne manquerait plus que ce soit zébré et on dirait mon logo, le boudoir. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais lancer ma box par abonnement, le boudoir. Donc rejoignez-moi sur ma nouvelle page Insta, le boudoir, pour suivre tout, parce que là, c'est très bientôt le lancement. On va passer à la robe, non, une des robes, parce qu'il y en a, il y a une robe longue, celle-ci, avec l'ouverture comme ça au niveau des manches. Je trouve ça très joli, resserré. Au niveau de la taille, les coloris, donc nous sommes sur des petites fleurs. Beaucoup d'espoir sur ce modèle-ci qui va être, je pense, parfait pour le printemps et cet été. Cette robe coûte 20€. Oh, qu'elle est jolie! Mais quelle est jolie cette robe! Oh, bon, faut imaginer avec un petit bronzage, elle est ravissante, très 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 confortable. Voilà, donc soit on met le nœud, soit on le met pas, ça c'est pas gênant. Je vais vous montrer de plus près. Donc c'est resserré comme je vous disais avec le petit lien autour du cou qui tombe derrière. J'ai comme un doute au niveau de la luminosité. Non, c'est bon. Ah oui, oui, elle me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Évidemment, je vais vous montrer de plein pied. Voilà, on se recule. Voilà. Bon, bah magnifique. Magnifique cette robe. Très très belle robe. Oh là 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 là, je vous dis, Shein, je suis rarement déçue. D'ailleurs, il y a énormément de fringues que je mets au quotidien de leur marque. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, on enchaîne. Ceci, ah, j'ai oublié de vous mettre, pardon, photo du mannequin. Voilà, je crois que j'ai oublié pour les autres. On enchaîne. Petit haut, manche nue, coup de cœur. Sur le mannequin, toujours. Ce côté satiné vert, je n'étais pas certaine de la couleur parce que ça va pas tout le monde, hein, le vert. Je suis pas certaine que ça m'aille, mais il y a les tentes. Voilà, très très beau. Les épaulettes. Derrière, c'est fermé avec un petit bouton, comme ça. Alors, c'est un modèle qui est très chic, mais bon, je crois que ça va quand même mieux au mannequin. Je sais pas du tout déjà au teint, voyons. Bon, ça passe. Très agréable. T'as toujours l'impression, par contre, que ça va tomber, alors que, bah, non, pas du tout. L'épaulette rajoute beaucoup, hein. Ça donne un petit peu de hauteur, on va dire, aux épaules. Donc moi, je l'ai mis comme ça, juste un côté, dans le jean, avec des escarpins. Non, non, il est beau. Il est beau. Alors, tu peux éventuellement... Ah, ça peut être joli. Mettre un sautoir comme ça, ou tout plein de bracelets, ou des tatouages partout. Voilà, je m'emballe. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, le haut coûte 6,99€. Bon, ça va. Hein. Non, il est beau. Il est très très beau et le satiné est très chic.
j'aime beaucoup aussi. Il reste encore 3 vêtements. Et ouais, donc, ah bah tiens, ça va être pratique. Je vais faire un autre body, j'adore ça le body. J'adore ça. Alors, il ressemble un petit peu à un body que j'avais déjà eu chez Shein d'ailleurs. Ouais, c'est un peu une matière sportswear, on va dire. Le haut toujours, légèrement montant. Manche courte et ça, bah voilà, des petites rayures comme ça. Me plaisait beaucoup, je n'oublie pas, sur le mannequin. Le body avec rayures coûte, ah, il est plus cher celui-là, 10,49€. Eh bien, il est très mignonnette ce petit body. Par contre, attends, hop, je sais pas comment il part. Ouais, j'aime bien. T'as vraiment envie de faire ça, quoi. Ah, super confort. C'est un petit... Ouais, ouais, un petit body en plus. Moi, il me plaît pas mal, hein. Oh, j'aime bien. Au niveau du cou, il ne me gêne pas du tout. Et ça, c'est très, très bien. Ouais, j'aime beaucoup. On va enchaîner. Nous allons enchaîner avec ceci. C'est une robe, presque une robe qui ferait presque plage. C'est une petite robe qui coûte 12€. Très jolie rose... tendre, toujours des fleurs, mais attention, attention, de très belles fleurs. Les manches, j'aime bien, très années 70. Hop, je vais peut-être être à contre-jour. Cette robe est magnifique, très confortable. Alors là, il y a de, je sais pas pourquoi, il y a de l'électricité statique, elle est complètement plaquée. Les manches, hyper mignonnes. Moi, je la porterai hein, avec fermé ou avec un petit haut comme ça. Ce qui est bien, c'est que bah, tu peux la porter comme ça, mais tu peux la porter avec... Ah, je sais pas, remarque le jean. Si, parce qu'elle est courte quand même. Hein. Elle arrive juste ici. Je continue. Alors là, je suis partie dans un délire. Il s'agit d'un legging, mais un legging particulier. Pareil, sur le mannequin, ça m'a bien plu. Je pense que si tu le portes de la bonne façon, c'est-à-dire avec les bons talons, le petit haut sympa, ça peut être très chouette. Le legging BD. Alors, je vous montre ça. J'ai piqué le Marcel de mon chéri. Hop, hop. Et ben, il y a quelque chose quand même. C'est pas laid, hein. Vous voyez ? Ah, j'aime bien, moi. Voilà le petit legging. Très confortable, par contre. Hein. Compliqué à mettre. Moi, il me plaît. Hein. J'adore le côté un petit peu... Ouais, j'aime beaucoup le côté fun, comme ça. Voir... Moi, j'ai mis voilà, des escarpins. Avec des baskets, je suis pas certaine par contre. Hein. Je termine maintenant ce haul. Je suis pas déçue du tout. À part le pantalon, je vous dis noir, je suis pas certaine. Mais pour le reste, il y a moyen de faire un truc sympa, vraiment. Ça me plaît beaucoup. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous rappelle, s'il y a des pièces qui vous ont plu, mon petit code promo, c'est 15% quand même, ça vaut le coup. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !